Bonjour à tous. Je tiens vraiment d'abord à remercier tout spécialement le président Macron de son accueil chaleureux. Depuis les débuts, on s'est toujours très bien entendu. Emmanuel, ton amitié et notre partenariat en bilatéral et aussi dans le monde m'est extrêmement cher. Merci pour tout ce que tu fais et que nous faisons ensemble. Nous partageons une vision ambitieuse de la relation franco-canadienne, grâce à laquelle nous pourrons contribuer ensemble à bâtir un monde meilleur. Nous sommes tous les deux déterminés à accroître notre collaboration afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, réduire les écarts entre riches et pauvres et stimuler la croissance économique qui profite au plus grand nombre. C'est donc dans cet esprit d'amitié que nous venons tout juste de conclure une rencontre productive durant laquelle nous avons notamment discuté d'environnement, d'économie, de culture et d'intelligence artificielle. Le président et moi avons d'abord convenu d'intensifier notre collaboration dans la lutte contre les changements climatiques. Depuis la COP21, notre gouvernement est fier d'avoir adopté plusieurs mesures visant à réduire l'empreinte carbone du Canada et à atteindre les cibles ambitieuses fixées par l'accord de Paris. La France et le Canada s'engagent aujourd'hui à redoubler nos efforts et à accroître notre coopération dans le cadre du partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement. Cette initiative encouragera et accélérera l'atteinte des cibles de l'accord de Paris à l'aide de mesures concrètes qui visent à faire de cet accord de principe une réalité. Nous nous engageons à œuvrer ensemble au sein du G7 et du G20, ainsi qu'avec la communauté des affaires, afin de promouvoir les enjeux de développement durable dans les tribunes internationales. Nous entendons mobiliser d'autres acteurs partout dans le monde, dont l'OCDE, afin de promouvoir la tarification du carbone, en plus d'encourager l'efficacité énergétique et de réduire les émissions des secteurs du transport terrestre, maritime et aérien international. We're also working with developing countries and island nations to mitigate the risks of a changing climate and help set up natural disaster early warning systems. Just a few days ago, I met with Caribbean leaders who reminded me of the difficult choice they face in trying to grow their economy while protecting the environment. Well, the France-Canada Climate Partnership will make us their allies. Le leadership que nous devons continuer d'avoir sur l'environnement est important pour le Canada, est important pour la France, mais est important pour le monde. Nous allons continuer de travailler de façon toujours plus ambitieuse pour démontrer que nos valeurs, nos aspirations et surtout nos actions sont alignées avec l'intérêt de la planète et des générations futures. Nous avons également profité de cette rencontre pour discuter d'un partenariat renouvelé sur le plan économique. L'accord économique commercial global étant entré en vigueur de façon provisoire il y a quelques mois, nous pouvons déjà constater des avantages qui en découlent pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. En 2017, les importations du Canada en provenance de la France ont progressé de 4 % par rapport à l'année précédente. Les investissements canadiens en France ont, quant à eux, augmenté de 23 %. On voit déjà, avec seulement 4 ou 5 mois de mise en vigueur l'année passée du CETA, on voit déjà les résultats et on continue d'en voir à chaque semaine, partout en France, partout au Canada, partout à travers l'Europe. Il s'agit d'un accord moderne qui reflète un agenda commercial progressiste, prévoyant, entre autres, des dispositions sur les droits des travailleurs, la protection de l'environnement, l'investissement responsable, la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs et la gestion des ressources naturelles. Ainsi, l'ASCG, ou le CETA, comme on dit en bon français, représente l'avenir de notre partenariat économique renforcé, un partenariat fondé sur des valeurs et des objectifs communs. Unis dans notre ambition de poursuivre et d'approfondir nos liens déjà étroits dans le domaine de la culture, la ministre française de la Culture et la ministre du Patrimoine canadien
ont signé aujourd'hui la Déclaration conjointe sur la diversité culturelle et l'espace numérique. Par le biais de cette initiative, nos gouvernements respectifs visent à favoriser la promotion et la diffusion de contenus culturels dans l'espace numérique et d'accroître leur collaboration au sein de l'UNESCO. La Déclaration permettra également de promouvoir un dialogue direct et ouvert entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile sur leurs responsabilités en matière de protection et de promotion de la diversité culturelle dans l'ère numérique. Enfin, le président et moi partageons un intérêt marqué pour l'intelligence artificielle. Les possibilités qu'offre cette technologie nouvelle pour nos entreprises et nos concitoyens sont nombreuses, mais encore faut-il mettre en place un cadre éthique robuste et s'assurer que le monde du travail, et surtout les travailleurs, puissent s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors, au cours des prochaines années, la France et le Canada entendent développer une initiative conjointe dans ce domaine afin d'initier et de mener cette importante conversation. Encore une fois, je tiens à remercier sincèrement Emmanuel pour son aimable accueil, son partenariat soutenu et surtout son amitié. Je me réjouis à la perspective de poursuivre notre travail conjoint à tous les chapitres et à tous les niveaux, notamment lors de sa visite au Canada juste avant le G7, lors du G7 dans Charlevoix au Québec, et bien sûr, ça va se continuer l'année prochaine quand c'est la France qui aura la présidence du G7. On a beaucoup de choses à faire en tant qu'implication dans le monde, en train de promouvoir nos valeurs et nos priorités, mais nous allons le faire entre amis, ensemble. Merci beaucoup.